Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Eh oui, c'est moi. Comment ai-je pu tomber si bas? Lisa, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma carte Gold, elle est bloquée. Et mon père ne veut pas me donner d'argent, il a dit jusqu'au mois prochain. Et pourtant, un nouveau centre commercial a ouvert ses portes. Il y a toute une nouvelle collection de vêtements et je n'ai pas d'argent. Attends, tu n'as pas de tirelire? Non. C'est quoi une tirelire? C'est quand tu mets de l'argent dans un cochon en porcelaine. Tu mets de l'argent et tu économises. Et puis tu l'oublies. Et plus tard, quand tu n'as pas d'argent, tu le casses et tu as tout cet argent. Ah, mais j'ai une tirelire, ce sont mes débiteurs. Oui. Ah, mais les voici. Mais regardez-moi cette tenue. Et c'est quoi ce jouet? C'est une poupée vaudou. Oh, comme si tu pouvais contrôler une personne. Oui, pour toi par exemple. Ça a marché, ouais. Max, je t'appelle une ambulance. J'étais en train de la taquiner. Est-ce que tu as vu ton visage? Les gars, c'est quoi ce bruit? Je suis là. D'après mon livre, Dania, Max et Diana, vous me devez l'argent que vous m'avez emprunté. Max, 23 000. Eh ben, j'en avais besoin pour ma moto. Diana, 13 000. Il y avait des réductions au magasin de beauté. Et Dania, 8 000. J'avais oublié que c'était un emprunt. C'est écrit là, tu dois me rembourser. Écoute, petite, on ne va rien te donner. Ouais, dégage tant que tu es en vie. Un de mes amis m'a dit qu'il fallait casser une tirelire. Donc, si tu ne payes pas, il te cassera la figure. C'est comme une démonstration de force. Bien, tu as le temps jusqu'à demain. Si tu ne payes pas, il reviendra vers toi. Allons-y. Bien joué, Lisa. Oui, à toi maintenant. Lisa, comment ça? Donc, la dette de Xenia est de 3 000. Celle d'Uliana, de 43 000. Eh ben, dis donc. Tu sais combien coûtent les articles de magie? Lisa, mais on est amis. Exactement, amis. C'est pourquoi vous avez 2 jours pour payer la dette. Tu l'as dit toi-même, casse une tirelire. Alors, j'attends les filles. Aliona. On dirait bien que j'ai créé un monstre. Merde, on est foutus. Je n'ai même pas d'argent pour demain. Eh bien, allons pressons les plus jeunes. On trouvera jamais une telle somme. Les gars, est-ce que vous avez besoin d'argent? Mais t'es qui, toi? Venez demain à cette adresse. On va jouer à un jeu et vous gagnerez beaucoup d'argent. Et pourquoi pensez-vous qu'on va jouer à votre jeu stupide? Vous en aurez plus demain. C'est notre chance. À demain, ne soyez pas en retard. On devrait peut-être vendre tous tes trucs magiques? Non. Où on devrait vendre ton appartement? On ne me trouvera pas ici. Oh, mais qui êtes-vous? Uh-oh. Tu es là aussi? Salut les filles. Pourquoi t'es là, Lisa? Tu ne me rembourses pas ta dette, alors j'ai décidé de gagner. Le gars au masque a dit que nous allions jouer et gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous faites ici, les petits? Silence! Vous êtes tous dans le jeu du calamar aujourd'hui. À la fin de toutes les épreuves, le gagnant recevra 10 000 dollars. Mettez-vous sur la ligne. Écoutez, il faut éliminer ces petits du jeu. L'argent doit nous revenir. Les filles, vous avez compris que les élèves de terminale vont nous distraire? On doit être une équipe. Oui! Arrête de rire. On est là à cause de toi. Silence, écoutez les règles. La poupée va parler. Mais quelle poupée?
Tous les joueurs sont invités à s'aligner sur la ligne de départ. Regardez, qu'est-ce que c'est? Une énorme poupée? Le premier jeu est avancer doucement, continuer, continuer. Vous pouvez avancer tant que la marionnette vous dit continuer, continuer. Les joueurs qui continueront à bouger seront éliminés du jeu. Numéro 212 et 101, retournez à la ligne de départ. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Si vous vous faites prendre, vous retournez au point de départ. Et vous êtes puni. Au prochain tour, vous porterez le joueur le plus proche sur votre dos. Le jeu continue. T'es prêt? Saute, c'est parti. Tiens-toi prêt. Votre punition est de sauter dans le sac. Retournez à la ligne de départ. Numéro 456 et 067. Retournez au point de départ. Punition 067 fait du scooter. La prochaine étape du joueur 456 est de marcher à quatre pattes avec des gants de boxe. Faites sortir les joueurs. Au prochain tour, le joueur 212 court comme un petit monstre. Retournez au point de départ. Joueur 001, retournez au point de départ. Votre punition, au prochain tour, vous devrez courir comme une fée. D'accord. Allez-y. Je suis une assez jolie fée. Au prochain tour, le numéro 199 court avec un matelas. Raccompagnez-la au point de départ. S'il vous plaît, non? Je vous en supplie, s'il vous plaît! Joueur 456, vous courez avec votre voisin le plus proche, le joueur 212. Les jambes attachées l'une à l'autre. Joueur 212, votre prochaine punition est de courir avec le masque de Roblox. Retournez au point de départ.
Bon travail! Vous avez terminé cette épreuve. Passons au niveau suivant. Allez-y par là. Voilà. Prochaine épreuve. Chacun choisit une boîte. C'est parti! Voici les règles. Tout le monde a un bonbon d'Algon et vous devez y sculpter la forme sans casser le bonbon. Mais tu as trop de chance! Un cercle! Un carré! Vous avez 10 minutes. Celui qui casse le bonbon sera expulsé et sanctionné. T'es en train de le casser. J'ai réussi! Voilà le premier à terminer. Joueur, vous pouvez y aller. Celui qui a terminé peut y aller. Oh, j'ai terminé! Que le joueur s'en aille. 199, vous l'avez cassé. Vous avez une punition. Joueur 212, vous avez une punition. J'ai tellement essayé, merde! Au moins, t'as un truc à manger? Joueur 212, vous serez puni. Le joueur 101 a accompli sa mission. Raccompagnez-le. Vous attendez la punition. J'ai fini. Joueur 240 s'en va. Veuillez la raccompagner. Presque. J'ai terminé. Joueur 067 a terminé sa mission. Raccompagnez-la. Allons-y. 212, vous êtes puni. Comment? Joueur 199, vous êtes aussi puni. Emmenez-la. Je ne fais nulle part, compris? Allez, enlève ton masque! Non, je ne le ferai pas. Sauf si vous aimez la vidéo. Vous avez entendu? Mettez vite des likes! Beau travail! Enlève ton masque! C'est contraire au règlement.
Mince, vous n'avez pas liké pour rien. Début des 40 secondes. Alors, Père Noël. Des bonbons pour les enfants. Oh, des bonbons! Allez-y, prenez-en pour toi et pour toi. Et toi aussi. Allez, tiens. Tiens, ma petite. Voici la suite des épreuves. À suivre.